Tous. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la pêche parce qu'aujourd'hui on a 1h30 de masterclass avec Marie Boulanger. Comment ça va? Ça va bien, très heureuse d'être là. C'est comme j'ai dit précédemment, j'ai beaucoup été de l'autre côté, des côtés des gens qui regardent. Donc là, être du côté des gens qui présentent, c'est un plaisir et un honneur. C'est cool, ça fait toujours plaisir de recevoir des gens. On sait qu'ils étaient là de l'autre côté à un moment. Bonjour à tous. Du coup, pour ceux qui nous rejoignent sur YouTube, il y a Alexandre qui va vous partager le lien si vous voulez nous rejoindre du côté Behance. Tout simplement parce que le chat est plus cool de ce côté-là. Enfin, il y a plus de monde, c'est là où la discussion se passe. Et en plus, ça nous permet d'aller regarder vos portfolios si vous êtes créa. Et on aime bien regarder qui nous regarde. Donc du coup la tournée des bisous, bonjour à Philippe, à Thierry du côté YouTube, et Marion, Benoît, Ticonio, Alexandre, Tessoun, Virginie, Joël, Lise, Jean-Claude du côté Behance. Je vais vous laisser arriver tranquillou. J'espère que vous passez une bonne semaine. Vous avez vu, moi je fais toute la semaine, là je remplace un peu Franck, il essaye de prendre des vacances mais franchement il y a du mal. Alors je suis un peu lente aujourd'hui, je vous préviens, je me suis fait beaucoup trop vacciner ce matin, donc si vous voyez que mon visage ne bouge plus à un moment, c'est juste que c'est une paralysie. Voilà, ne vous inquiétez pas. Non, ça va. On va essayer de pas... ça va aller. En plus, t'as préparé plein de trucs. Ouais. Normalement, on devrait bien s'amuser et rien ne va planter, tout va bien se passer. Non, voilà. Rien ne va planter, tout va bien se passer. T'as préparé plein de trucs avec amour et j'ai hâte de voir ça. Bonjour à Greg, Camille, voilà. Les gens arrivent tout doucement. Emma, bonjour Emma, c'est elle qui t'a écrit. Donc, on vous fait tous des bisous. N'hésitez pas si vous avez des questions pendant le live, on sera heureux d'y répondre. Ouais, n'hésitez pas, parce que moi j'ai hâte de pas vraiment vous rencontrer, mais d'interagir avec vous. Ça. Je te laisse la parole. Est-ce que tu pourrais te présenter en 2 minutes? Avec plaisir. Alors, tu as prononcé mon nom très bien, Marie Boulanger. Je suis dessinatrice de caractères spécialisée en... Ça veut dire que je fais beaucoup de typographie sur mesure pour principalement d'identité visuelle, dans plein de domaines différents, mais je dirais que ma spécialité, c'est plutôt le lifestyle, donc tout ce qui va être... hospitality, des hôtels, des restaurants, food and drink, tout ça, c'est mon domaine de prédilection, mais j'aimerais faire d'autres choses aussi. J'ai 25 ans, je suis installée à Londres depuis maintenant un an, avec le déménagement le moins bien, comment dire, avec la date la moins bien choisie de l'histoire, puisque c'était février. très, très mauvais moment pour changer de pays, changer de ville, changer de travail. Mais un an plus tard, voilà, les choses se sont calmées et très heureuse d'être là. Avant d'atterrir à Londres, j'ai fait mes études en France. D'abord à l'école Doul, avec une mana. Ok. Christiane avec un BTS design graphique spécialisé en imprimé. Je crois maintenant que les BTS, ça n'existe plus d'ailleurs. J'ai passé celui-là aussi. C'est vrai? Oui. Trop drôle. Donc ça, je crois que j'étais diplômée, alors je ne sais même plus les années, je ne vais pas essayer. Voilà, après j'en avais un petit peu marre, donc je suis partie un an en Angleterre. Donc pourquoi l'Angleterre? Parce que je suis franco-britannique et j'ai fait toute mon enfance en Angleterre, donc j'avais déjà des attaches là-bas. Je suis partie un an en Angleterre pour travailler, j'ai travaillé un an dans une maison d'édition. Le boulot était super intéressant, mais en fait un jour j'étais cover designer, donc je faisais principalement les couvertures. Ok. Et un jour en faisant un livre sur l'histoire de la typographie, je me suis dit quand même, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours voulu faire ça. Est-ce que ce serait pas le moment de prendre un risque, faire le grand saut et retourner faire un master quelque part? Ah, c'est cool. Ok. Donc c'est ce que j'ai fait. Ça n'a pas été facile de quitter mon travail. J'aimais, et voilà. Mais j'ai atterri à l'ECB Paris en master typo, donc sous la direction de Jean-Claude Bourcher, master de 2 ans, voilà, qui m'a amenée donc en 2019 à être diplômée et à me dire ouais, la typo c'est quand même super, c'est ce que je préfère, donc c'est ce que j'ai fait.
Et voilà. Et maintenant, je regrette mon choix pour rien au monde. J'adore faire de la typo, mais je ne me définis pas juste comme dessinatrice de caractère dans le sens où je travaille dans une fonderie et je fais aussi ça. Et d'ailleurs, c'est une drôle de coïncidence parce que ma première fonte retail sort aujourd'hui. C'est trop cool. Et dis donc, tu as un bon karma en ce moment, toi. Oui, parce que je vais vous parler de plein d'autres choses cool qui arrivent. Mais ouais, première fonte retail qui sort aujourd'hui. Mais mon activité principale, voilà, c'est vraiment autour du branding, de la création typographique sur mesure pour des identités visuelles. C'est vraiment ce que je préfère. Donc, hâte de partager ça avec vous. Voilà, présentation. Mais écoute, trop cool. Ça nous explique bien, on comprend bien. Et maintenant, est-ce qu'on n'irait pas regarder? Ouais, je pense que c'est le moment. Alors, je vous ai préparé une petite présentation, mais c'est pas trop de formalité. Hein. C'est juste pour avoir quelque chose pour vous montrer. Voilà, pour ça, on s'est déjà dit bonjour. Je vous ai déjà un peu dit ce que je faisais. Donc, pas besoin de trop s'étendre là-dessus. Vous savez que la typo sort aujourd'hui. D'ailleurs, elle s'appelle Faubourg. On peut la voir? Je ne l'ai pas mise dans ce portfolio-là parce que ce n'est pas du branding, mais je peux la mettre sur Instagram. Allez, vas-y. Voilà. Ça, c'est tous les 36 days of type. Ah, c'est cool. Faubourg. Alors là, vous voyez tous mes messages. Peut-être pas. Il plante parce que j'ai trop d'appels. Il y a trop de choses ouvertes, t'inquiète pas. Alors, Faubourg, elle est là. Voilà. C'est vraiment stylé. Hein. Faubourg Display, donc ça fait quasiment un an et demi que je bosse dessus maintenant. D'accord. Et bah oui, la typo, ça prend beaucoup de temps. Il ne faut pas avoir peur de ça, c'est normal. S'il y a des fonds qui sortent en des semaines ou même quelques mois, c'est que c'est pas... Elles ne sont pas aussi bien qu'elles pourraient l'être. Donc voilà, un an et demi de travail, beaucoup de sang et de larmes, mais ça sort aujourd'hui et je suis super heureuse. Donc ça sort avec Positype, si vous voulez aller voir sur Instagram, c'est une fonderie aux États-Unis. Donc voilà pour le retail. Et si on va de retour à ma présentation, je vous ai préparé plutôt du branding. J'avais mis un point d'interrogation. Voilà, qu'est-ce que je fais en fait hein, parce que c'est joli comme formule, la création typographique sur mesure pour l'identité visuelle, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Donc, je travaille pour des fonderies des fois, pour des marques ou pour des agences studio directement. Et je fais plein de lettres différentes. Et j'adore ça. Du coup, là, je vous ai fait une petite sélection de projets plus ou moins récents, on va dire sur les 18-24 derniers mois. Il y en a certains, c'est des logos. Certains, c'est des créations personnelles comme ça. Certains, c'est en collaboration. Par exemple, le logo Kepis, que d'ailleurs, je crois que vous avez utilisé pour faire mon visuel sur le truc Adobe, c'était fait avec l'agence Abomo à Paris, super agence, une de mes agences préférées avec qui j'ai beaucoup travaillé et que j'adore, donc je vais leur faire un petit coucou. Ça, c'était avec une agence à Londres, ça c'est Faubourg du coup que j'avais essayé pour un de mes logos. Voilà, donc j'espère que ça vous montre à quel point c'est varié et à quel point, j'espère que ça transparaît l'amour que j'ai pour le mettre, hein, c'est quelque chose que j'adore. Et après, je des photos. Ah oui, je vous ai mis des dessins parce que les croquis, c'est important pour moi. C'est vraiment, ça fait partie de mon processus et ça faisait partie des choses que je voulais montrer aujourd'hui. Je vous ai mis, enfin, j'ai rien vraiment préparé, mais j'ai juste mon carnet à côté de moi. Et voilà, enfin, je dis ça parce que c'est sincère, quoi. C'est vraiment, c'est un outil de travail. Je fais ça tous les jours, je l'ai toujours à portée de main. J'essaie de vous trouver des pages sympas. En fait, c'est pas juste pour dire « ouais, je fais des croquis parce que j'ai l'impression que c'est ce que je devrais faire », c'est vraiment le geste du stylo et de la main, et cette relation-là est importante pour moi. Et du coup, voilà, en plus j'adore avoir tout ça dans un carnet parce que je trouve que quand je manque d'inspiration, des fois c'est cool, même si c'est mes propres trucs. J'utilise pas forcément tout ce que je fais tout de suite, donc c'est bien de pouvoir le feuilleter et d'avoir, si là c'est ce que je vous ai mis dans la présentation, d'avoir accès à ça, en fait c'est une mine d'or. Et là il y a des croquis avec plein de C, parce que je sais pas si peut-être il y en a qui me suivent sur Instagram ou
peut-être découvrir suite à ça, mais en ce moment, c'est le 36 Days of Type. Ouais. Et je me suis fait un sacré challenge avec des timbres typographiques où, en fait, j'ai tous les jours, pour la lettre, un pays qui commence par cette lettre-là, donc A pour Argentine, B pour Brésil, etc., avec des timbres vintage. Donc, c'est canon, hein. C'est vraiment stylé. C'est presque fini, et franchement, heureusement que... Et le marathon ? Ah ouais, heureusement que les gens sont motivants et me disent « Ouais, c'est super !» parce que c'est pas facile, et pourtant, ça fait un bout de temps que je me prépare. J'y suis depuis janvier sur ce projet, et même en ayant préparé tout ça, poster tous les jours, faire un beau truc, c'est pas facile, mais c'est presque fini. Ah ouais, mais par contre, le résultat est vraiment canon, quoi. C'est hyper cool. Ah, merci, ça me fait plaisir. Et c'est marrant parce qu'il y a plein de gens qui me demandent si c'est des vrais timbres. Et donc, c'est pas des vrais timbres. Ça, c'est des timbres comme ça. Mais voilà, c'est basé sur des timbres existants que j'ai soit acheté, scanné ou trouvé sur des banques d'images ou autres. Et acheté là-dessus ou voilà, scanné. Mais c'est vrai que c'est pas le bon trouvé. Et après, le design est fait avec l'existant, les couleurs, la mise en page, etc. Et pour tous les gens qui regardent et qui ont envie de se mettre un peu un coup de pied aux fesses créatif, si vous aimez la typo, franchement, 36 Days of Type, c'est pas mal. C'est super intense, mais déjà, ça permet de rencontrer plein de designers, de voir ce que les gens font. Il y a des idées super originales. Enfin, allez voir les hashtags et le compte Instagram. Vraiment, je conseille. Donc voilà, on était parti des croquis. Ouais, trop cool. Moi, je serais curieuse dans le chat, est-ce qu'il y a des gens qui ont fait le 36 Days of Type ? Et partagez-le, comme ça on peut aller jeter un œil. Voilà. Avec plaisir. Je sais que Alexandre le fait, il y a Franck qui a fait un petit faux départ, mais qui s'est repris là, qui a refait un truc. Donc c'est trop cool, moi j'aimerais bien voir ce que vous faites. Bah, c'est pas facile hein, de garder le cap, c'est tellement tentant de dire... Oh. Ça va, j'ai fait la moitié de l'alphabet, c'est déjà pas mal, mais... Ah, je sais pas, il y a le truc de t'as envie d'avoir toutes les lettres quand même, tu vois. Et j'avoue qu'en effet, les retours des gens ont été hyper positifs. Ça me motive aussi. Oh, c'est trop bien. D'ailleurs, tu vas en faire quoi après ? Bah, y a plein de gens qui me demandent de faire un print avec tous les timbres. Et même ouais. Qui demandent des prints avec leur initiale, par exemple. Ah, c'est trop cool. J'avoue, un poster, un truc comme ça, c'est tellement cool. C'est vrai que ça rendrait pas mal. Après, moi, j'adore l'échelle initiale du timbre et c'est pour ça que j'ai choisi le timbre pour ce challenge Instagram parce que ouais. C'est proche de l'échelle réelle et je trouve que c'est intéressant de... Enfin, souvent, sur Insta, les gens postent forcément tout n'importe quoi, des posters, des trucs en format. Là, en fait, on est sur la vraie taille du timbre et du coup, j'aimerais bien garder ça si je fais un print. C'est vrai que j'aimerais bien avoir tous les petits timbres à taille réelle. Très sympa. Mais... Ouais, c'est cool, ouais. C'est une bonne idée. C'est hyper cohérent, en fait, avec... T'as raison, hein. Ouais, c'est hyper malin. Les deux derniers, ils ont pas mal marché. Surtout, je crois, le V, ça a été un des partagés. Donc, voilà pour. Mais tout ça, c'est venu de croquis et c'est pour ça que je partage les croquis parce que c'est toute cette idée qui est devenue un vrai projet au final et qui me plaît et qui plaît visiblement. Enfin, là, c'est venu de croquis. C'est venu de. Voilà, moi. Tout le temps, je dessine des alphabets dans mon carnet, voilà. Et puis, je ne sais plus pourquoi, je ne sais plus comment ça m'est venu, les timbres, mais ça a commencé avec le A. Ça a commencé avec le A, puis j'ai dessiné un cadre autour, parce que souvent, j'aime bien voir les échelles, etc. Et je me disais, oh, ça fera un beau timbre, et voilà, enfin, tout est parti de là. Donc, c'est ma déclaration d'amour au croquis, et voilà, vive le croquis. D'ailleurs, il y a Rémi qui nous dit, le carnet à bullet point, on reconnaît les vrais. Merci de le souligner parce que je vais remontrer la grille. Donc c'est un Moleskine, hein, je suis hyper classique, désolée, aucune originalité, voilà. Mais les bullet points, c'est tellement mieux que les carreaux et encore mieux que les lignes. Moi, les lignes, je peux pas, ça prend, en fait, ça va. Ça ferme. Ça donne trop d'infos visuelles, surtout quand on fait de la typo, c'est compliqué. Voilà, vive les bullet points, merci Rémi. Oui, Bertrand qui nous dit j'hésite à le faire, mais comme je débute, j'ai peur de me planter. Il faut se planter. Et ça, c'est un truc. Vive la plantade. Enfin, franchement, c'est un truc que je dis souvent. Maintenant, j'ai la chance d'intervenir auprès d'étudiants. Je travaille
en partenariat avec Kingston University à Londres. J'ai aussi j'ai fait des workshops avec avec le CV, avec voilà, avec d'autres écoles. Et c'est un truc que j'hésite pas à dire, mais si vous saviez le nombre de fois où je me suis plantée, si vous saviez tout le nombre de trucs laids que j'ai fait avant de faire des trucs un petit peu jolis, mais c'est normal, c'est et tant mieux. Et je continue. Hein. D'ailleurs, des fois, mes trucs sont toujours laids, et voilà, mais c'est tellement important. Et je trouve qu'il faut dédramatiser l'échec, entre guillemets. Et pour moi, c'est même pas des échecs, c'est juste, ça fait partie du procédé, quoi, c'est normal. Et je sais que pour moi, ça a commencé à... Enfin, j'ai beaucoup mieux vécu ma pratique créative quand j'ai arrêté de voir ça comme des ratés, des échecs, et plutôt juste comme des étapes, en fait. Enfin, voilà. Ok, ouais. Bah, écoute, c'est toujours un bon rappel. Hein. Celui-là, il faut qu'on se le fasse tatouer, qu'on se mette un gros post-it là, tu vois. De temps en temps, il repart, il revient. C'est toujours cool de nous faire un rappel de ça, franchement, merci. Complètement. Du coup, pour revenir vite fait à ça, je crois que je vous ai mis après des petits exemples de vrais projets, parce que c'est quand même sympa au-delà de les voir en vectoriel posé sur la page. Voilà. Ça, c'est mon branding personnel. Ah, trop bien. Donc, je trouve que c'est pas forcément c'est le terrain de jeu idéal. Hein, quand on est créatif, pour pouvoir faire sa propre identité, c'est quand même le projet idéal. Donc, évidemment, j'ai fait la typo. C'est basé sur un jeu de cartes anglais qui s'appelle le Can You Go. C'est un peu un ancêtre du Scrabble. C'est des cartes avec des lettres et un jeu de lettres. Etc. Quand le Scrabble est arrivé, malheureusement, ça a été la mort du Can You Go. Mais on reconnaît un peu l'esthétique très... années 50, années 30, anglaises, avec des capitales très carrées, les bords arrondis, etc. Enfin, j'adore ces proportions de lettres. Et après, le petit M, c'est un truc que souvent on me disait quand j'étais petite, dans le mot mari, il y a les lettres aimées. Et j'ai toujours trouvé ça assez... Donc, c'est le M de mari et le M de aimée. Et voilà, puisque au-delà du... Enfin, moi, je ne vois pas ça du tout comme un truc gnang-gnang. Au contraire, je vois ça comme plutôt de la sincérité. Voilà, je n'hésite pas à mettre de l'émotion dans ce que je fais, à mettre beaucoup d'amour aussi. Donc, j'assume totalement ce petit cœur. Et en plus, voilà, il y a une petite histoire derrière et puis un petit jeu avec le sonore aussi, le M. Et après, pour ceux qui parlent anglais, j'espère que vous comprenez les jeux de mots. Avec le « it doesn't get letter », c'est un petit jeu de mots au lieu du « doesn't get better ». Donc, ça ne peut pas être mieux que ça, avec le « letter » pour « lettre ». Et parce que j'aime bien les jeux de mots nuls aussi, donc totalement... je suis totalement ça. Et le « time to type up your life », c'est basé sur le texte d'une chanson des Spice Girls qui est « spice up your life ». C'est pas ça. Voilà. Voilà. C'est cool. Hein. En fait, c'est marrant parce que sur un truc qui a l'air aussi simple, t'as mis plein de choses et c'est ça qui est hyper cool. Et c'est ça le branding. Genre, je sais pas ce que t'en penses, tu vois. Ça a l'air tellement simple, mais finalement, ça communique vachement d'idées dans un truc si simple, quoi. C'est ce que j'essaye de faire et dans mes projets commerciaux aussi. C'est que on veut que ça se voit que voilà, ça marche et qu'il y a des choses qui font que ça marche parce qu'il y a une belle composition, parce qu'il y a eu de la réflexion, etc. Mais on ne veut pas que les gens puissent se dire « Oula, ils ont réfléchi pendant 3 heures au truc. » Il faut que ça y ait un côté, pour moi, ce que j'aime dans les solutions efficaces, c'est qu'il y a un côté qui coule de source, quoi, qui marche tout de suite et qui est beau. Donc, j'espère, hein, j'espère que vous trouvez ça beau, sinon c'est dommage. Mais c'est vrai que la réflexion, c'est une partie importante aussi pour moi, même s'il y a toujours un instinct, toujours des idées et tout, la partie réflexion est importante. Après, je vous ai mis, elle est toute floue, mon lien, il devait être cassé, donc c'est pas grave. Elle est en grand sur mon site web, si vous voulez aller la voir, c'est le projet Kefis dont j'ai parlé auparavant, donc projet de branding pour une marque de kéfir de fruits. Je crois que c'était en 2018 maintenant, mais j'adore ce projet. Les photos sont magnifiques, prises par Virginie. C'est trop beau, hein. Ouais, ça donne envie. Virginie Garnier, super photographe, toujours avec Abmo. Et ensuite, autre projet aussi Abmo, toujours à la même agence, pour un restaurant qui s'appelle le Fitzgerald à Paris, qui est dans le 9e, 8e, je ne sais plus, rue de la Tour-Maubourg, boulevard de la Tour-Maubourg. Qui a fait un petit rebranding pendant le confinement, notamment pour
pouvoir proposer des choses à emporter. Enfin, il y avait pas mal de choses à redéfinir, comme pour beaucoup de restaurants, hein, forcément. Voilà. Donc, ils en ont profité pour faire un petit lifting de leur identité. Et c'est sur les cartes de visite, là, sur Time to Take Champagne, c'est une de mes typos. Donc, elle n'est pas encore sortie, mais à moi, ils ont le droit parce que je les aime beaucoup. Donc, une typo qui s'appelle Aligre, comme le marché d'Aligre à Paris. Qui sortira un jour, mais pas tout de suite. Photo aussi par Des de l'agence Mo. Je crois que je vous ai mis que ça comme photo. Et après, je vous avais mis moi, des photos. Ça, c'est le truc que je prends. Tout ça, c'est des photos à moi. Et je vous les ai mises parce que je trouve que c'est important de se constituer ses propres banques d'images, ses trésors, en fait. Là où on va puiser de l'inspiration quand on en a plus. Ou pas forcément pour quand il n'y en a plus, mais même juste pour se nourrir et pour avancer créativement. Et c'est vrai que depuis très longtemps, je prends des photos de beaucoup de trucs, je prends beaucoup de notes. Enfin, vous avez vu mon carnet, et voilà. Avec ces deux choses, mes carnets et mes photos, c'est rare que je sois bloquée quand même. J'ai toujours, toujours deux, trois idées qui traînent. Ça me permet d'aller assez vite quand il faut. Bah voilà, parce que c'est vrai que des fois, la vitesse des projets commerciaux, il faut envoyer quoi. Il faut décider tout de suite maintenant et ça me permet en général de aller plutôt vite. C'est trop bien. Et du coup, comment tu les... Oh, je me rappelle, j'avais cette version de Antigone de Jean Anouilh. Couverture orange, là. Ouais, ouais, je l'ai dans un carton quelque part, c'est fou. Voilà. Ça remonte plein de souvenirs. Et du coup, comment tu les tries? Comment tu les organises? Honnêtement, moi, je suis plutôt du genre à avoir... Comment tu t'y retrouves, tu vois? Ou est-ce que c'est un truc bordélique ou... C'est bordel organisé, c'est-à-dire que c'est rangé, c'est organisé. Est-ce que quelqu'un d'autre pourrait s'y retrouver à part moi? Pas sûr. Mais oui. C'est par thème, par gros thème, lettrage de magasin, objets, livres, en gros par catégorie. Moi, j'aime bien en fait avoir des gros... Je pourrais pas avoir des micro-fichiers avec deux images dedans. J'aime bien aussi l'abondance du truc. J'aime bien aller dans un fichier, il y a 500 photos et je les regarde. Ça fait partie, je pense, de comment mon cerveau avance. Carrément. Voilà, donc là, je vous ai mis... Bah tiens, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu connais Mr. Cup? Non. Peut-être que tu connais. Eh bah écoute, je t'invite à aller jeter un œil. On le reçoit souvent. Et il a un amour pour... comment définir Fabien? Alors, il vient souvent, il partage beaucoup. Et lui, il fait beaucoup de letterpress. Ah oui. Il fait beaucoup de letterpress et il a une collection de trucs. Il est tout le temps en train de poster ses virées dans les puces et dans les trucs comme ça. Tout le temps, donc pareil, en fait, la même démarche et un amour des trucs un peu anciens aussi. Donc je pense que ça pourrait te plaire. Et si vous ne connaissez pas aussi, allez jeter un œil, ça pourrait vous plaire aussi. Je vous ai mis à la fin de ma présentation, il y a une photo de ma cuisine. Je pense que ça résume bien qui je suis et ce que j'aime. Peut-être que je vais vous la mettre maintenant comme ça. Voilà. Ah bah le lien aussi, c'est pas... Ah, c'est trop cool. Ah ouais, le petit casier d'imprimerie et tout, là. C'est trop cool. La photo est pixelisée, je sais pas pourquoi, ça a pas... C'est pas grave, je pense que vous voyez pas trop mal. Et c'est marrant parce qu'il y a des choses qui sont là, qui sont vraiment retrouvées dans des designs que j'ai faits. Notamment ce pot-là, c'est un vieux pot de confiture italien, d'une marque qui existe toujours d'ailleurs, et le pot a très peu changé. J'ai trouvé dans une brocante à Clamart, en région parisienne. J'ai payé 50 centimes, je crois, et je suis tombée amoureuse de ce truc. Et en fait, j'en ai fait ma carte de vœux début 2020. Pas de bêtises. Ouais, 2019-2020, bah, je vais vous la montrer. Je crois qu'elle est sur Instagram. Parce que ça montre bien que c'est pas juste amasser des trucs pour amasser des trucs. C'est vraiment des choses qui nourrissent et qui ressurgissent après sous forme de projet. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Alors, voilà. Le design qui était imprimé. Du coup, j'ai refait la typo. Ah, c'est cool. J'ai refait la typo et après je l'ai re-emballé autour du pot. Et du coup, évidemment, le texte d'origine, c'était pas ça. Mais voilà, c'était. Alors, ça me paraît triste quand je pense à l'année 2020, ce que ça a été. Voilà, cette carte de vœux qui a été.
un peu ternie par ce qui s'est passé après, mais voilà, ça c'est pour moi un exemple très concret de comment ces choses-là après ressurgissent dans mon travail et me permettent de faire des choses qui, j'espère, sortent un peu de... Enfin, qui sont propres à moi, en fait. Sont personnelles, et je trouve que c'est quand même très important, surtout maintenant où il y a tellement Instagram, les réseaux, tout qui converge, tout qui se mélange. C'est important de savoir garder des choses à nous. Forcément, on ne fera pas toujours des choses ultra originales. Voilà, il y aura toujours, je ne suis pas là pour dire ouais, mon truc il est unique, pas du tout. Mais je trouve quand même que c'est important de faire l'effort. Faire l'effort de ne pas être juste sur Pinterest à liker. Et voilà, voilà, on a tous des choses qui nous plaisent, des choses qui nous font avancer. Et c'est important de garder ça. Ah, écoute, carrément, c'est tellement cool. Tu as vraiment la passion dans ton corps sur la typo. Et c'est hyper inspirant. Je pense que les gens seront d'accord avec moi dans le chat, mais moi j'ai l'impression de faire partie des gens qui regardent la session. Je suis là, ouais, c'est cool, je continue à m'apprendre des trucs. C'est marrant parce que quand j'étais petite, franchement, j'ai toujours été ultra nerd, obsédée par plein de trucs différents. Alors il y a eu plein de phases, la Grèce antique, les animaux, enfin, plein de trucs, les volcans. Et en fait, je ressens exactement la même obsession, sauf que là, j'ai trouvé vraiment le truc qui, j'espère, je m'en lasserai pas. Mais c'est vraiment le même, même démarche aussi de collectionner, d'organiser, d'avoir des espèces de voilà, mini-mondes centrés sur un truc. C'est marrant au final de voir que ça n'a pas tellement changé. Ouais, carrément. Tiens, moi, j'ai une petite question. J'ai l'impression que du coup, ça s'arrête jamais dans ton cerveau. Comment tu fais pour rééquilibrer ça, pour te retrouver un petit peu et penser à autre chose? Est-ce que tu y arrives? Alors, c'est une très bonne question. Je vais juste mettre à une autre page que... très bonne question. Et franchement, ça fait peu de temps que j'y arrive. En fait, j'étais... Avec tout le stress, les études, c'est en particulier quand même, on est tellement angoissé par l'après que le présent, on n'y pense pas. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et du coup, quand le présent est arrivé, enfin l'après qui est devenu le présent, j'ai eu un peu un moment de « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» Après, il y a eu le Covid très vite. Donc là, c'était panique à bord, en plus avec le déménagement, etc. Mais maintenant que j'ai un peu voilà, trouvé un équilibre et trouvé une activité qui me plaît et tout, en fait, j'essaye d'être extrêmement à l'écoute de mon corps et des signaux qu'il m'envoie. Et maintenant, j'essaye vraiment d'être... Bah, par exemple, voilà, je vais être très transparente avec vous tous qui nous regardez. Cette semaine, c'est une semaine très, très, très intense pour moi. Il y a plein de choses qui se passent. Je crois que je n'ai jamais eu une semaine aussi importante pour ma carrière. Bah, je prends demain et vendredi off parce que j'en peux plus. En fait, je suis arrivée et je suis épuisée. J'ai besoin de... Voilà. Et je ne vois pas ça comme un échec. Ça rejoint aussi ce qu'on disait avant. C'est une nécessité. Et c'est pas très grave, la semaine prochaine, elle arrivera vite, et le lundi, je serai reposée, et je serai bien, et voilà. Enfin, j'essaye de vraiment être à l'écoute de ça, et de plus voir... Et il n'y a pas de choses qui sont ou bien ou mal, voilà, il y a juste ce qui nous convient à nous, et j'essaye de prendre le temps. En plus, voilà, j'ai la chance d'être bien entourée, d'avoir des super amis, un super copain qui me soutient aussi beaucoup, donc voilà, dès que je sens que c'est trop, je mets pause. Et je profite de ma vie, quoi. Ouais, carrément. Après, c'est aussi un truc, c'est hyper cool que tu rappelles ça. C'est, si on est, il y en a beaucoup qui sont à leur compte, si on est à leur compte, à notre compte aussi, c'est pas pour forcément re-rentrer dans un système de 35, 40, 45 heures, autant que vous voulez par semaine. C'est aussi pour s'adapter. Parfois, il y a plus de projets, des fois, c'est plus calme. Si vous avez besoin de prendre la journée, prenez la journée. Si tu as besoin de faire une semaine de 157 heures, ok. Enfin, en fait, c'est ça aussi. C'est pas obligé de faire 35 heures par semaine, 39, arrêter le samedi, dimanche. C'est aussi être à l'écoute de son rythme. Enfin, se lever à 8 heures, machin. Et c'est plutôt comprendre qui on est, quoi. Donc, c'est cool que tu le rappelles. Et, bon, c'est hyper important. Exactement. Et en plus, depuis quelques mois, j'ai un petit chat chez moi. Oh adorable et que j'aime de tout mon cœur, mais il me réveille tous les jours à 6h, 6h30. Du coup, j'essaye d'adapter aussi ça et de, voilà, équilibrer. J'essaye de, du coup, comme il me réveille tôt, je suis en général réveillée le matin, hyper efficace le matin. Du coup, si j'arrête à 15h, bah, j'arrête à 15h, quoi. C'est pas, enfin,
comme tu disais, si justement faut sortir de, si on est à notre compte, faut se rappeler qu'on a le droit, on a le droit de faire ça et il faut l'utiliser quoi. Carrément. Et puis je sais pas vous, mais moi je me rappelle être dans des tafs et en fait t'es là 8 heures, mais ton taf t'aurais très bien pu le faire en 3. Donc en fait bah maintenant tu le fais en 3, mais le reste de ta journée il est pour toi, tu vois. Donc c'est aussi ça en fait, apprendre à pas forcément ah voilà, tranquille quoi, c'est hyper fluide, faut s'écouter quoi. Carrément. Du coup, je vous avais préparé des petits trucs de branding pour aujourd'hui. Est-ce que vous voulez qu'on avance là-dessus? Ouais, carrément. Je regarde un petit peu le chat. Avec plaisir. Ouais. Il y a Bertrand qui dit, du coup, j'arrive pas à bosser. Il y a Greg qui dit, belle philosophie. Trop bien. Benoît qui dit du coup je me suis complètement arrêtée pour regarder 100% focus, ouais, trop bien. C'est important aussi d'être présent dans ce qu'on fait parce que souvent on a envie de faire tout en même temps et au final du coup on fait rien bien et c'est bien aussi de dire voilà, là je suis avec ce truc pendant une heure, j'ai pas mon téléphone, j'ai pas de distraction, je suis là. Ouais c'est clair, ouais ça fait du bien. Il ouais, y a Bertrand qui dit en plus ça me conforte dans l'idée que j'aime la typo. Ah moi aussi. Et ben voilà, trop cool. Voilà, non, je crois pas. Voilà, Louisa Cristal qui dit vraiment inspirant, effectivement. Je me passionne moi-même pour la typo depuis 2 ans et je comprends parfaitement l'amour qu'elle a pour la typo. C'est trop cool. Mais après, même si tu t'arrêtes, avoue que quand tu te promènes dans la rue, tu reconnais les fontes, tu vois. C'est vrai, t'arrives à déconnecter. Mais c'est bien, des fois ça devient grave. Hein. Et le pire, c'est que je suis en train de contaminer mon copain. Enfin, il est même pas dans le. Pas du tout, une thèse en histoire de l'art, mais même lui il me dit eh, trouve pas que le curling est bizarre là, trouve pas que les espacements ça va pas, ah, c'est pas la typo machin. Du coup, je me dis que ça doit être quand même un niveau assez grave pour que lui commence à être matrixé par ça. C'est trop marrant, ouais, non, complètement. Je marche dans la rue et je dis ah. Oui, non, mais bah, je te comprends complètement. Hé, hey, il y a Morgane qui nous dit, qui te dit bonjour. Coucou ah. Marie, Morgane Ventor, qu'on a reçu l'année dernière. Pareil, qui est typographe et qui nous avait présenté son travail. C'était hyper cool. Il y a Alexandre qui va vous repartager la session si la typo, ça vous intéresse et que vous voulez en savoir un petit peu plus. On n'a pas souvent l'occasion de recevoir des typographes. Hein. Je pense que la dernière, c'était Morgane. Donc, du coup, allez-y. Voilà. Et je te laisse continuer. C'est marrant que tu dises ça parce que moi, dans ma tête, je ne vois que des typographes tout le temps, du coup. Bah oui, c'est ça, on vit dans le monde. Ça, c'est vrai. Voilà, j'oublie, ouais. Il y a autre chose, mais c'est pour ça que c'est bien. C'est pour ça que j'adore le branding. Parce que justement, ça me sort un peu de ça, que souvent, je bosse avec plein d'autres créatifs, qu'il y a l'opportunité de faire des photoshoots. Vous avez vu des graphistes, des DA. Des fois, moi, je fais pas mal de DA aussi, mais. J'aime bien, en fait, c'est pour ça que je ne veux pas travailler juste pour une fondation. Parce que je pense que, enfin, je sais même que ça me convient. Je pense qu'il y a trop d'autres choses à faire qui sont intéressantes. Carrément. Tiens, attends, je saute sur. On a des petites questions. Alors, déjà, on a un mot d'amour qui me fait trop plaisir. Hello World qui nous dit vous faites vraiment des choses importantes à Adobe France. Alors, je vais faire une petite capture d'écran et l'envoyer à nos boss, tu vois. Pour leur rappeler que c'est cool. Donc merci, ça fait toujours plaisir vos petits messages. On essaye de les partager à l'équipe à chaque fois. Et il y a Ed Mathieu qui demande « Bonjour, est-ce que vous connaissez de bonnes fonderies avec des budgets accessibles ?» Très bonne question. Très bonne question, parce que c'est vrai que ça représente un beau budget quand on veut soutenir la vraie création typo et pas les fonderies un peu plus fleurisses, malheureusement. En ce moment, c'est pas facile. Il y a Pangram, qui est une fonderie, je crois, qui vient de Montréal, qui fait des packs super intéressants pour les éditeurs. Est-ce que tu peux nous les ouvrir dans ton navigateur, comme ça on peut regarder en même temps? Ah bah nickel. Ça c'est vrai que je sais que c'est une fonderie qui est appréciée des étudiants parce que ils font des packs en fait, des packs de fonte, un peu des starter packs hyper accessibles. Ok. Avec des fontes assez variées, donc ça c'est vraiment je recommanderais. Puis c'est voilà, c'est de qualité bien sûr. Franchement moi quand j'étais étudiante et pas que, même maintenant la sélection Typekit, je trouve que avec Adobe du coup c'était, et je dis pas ça parce que je suis sur un live Adobe, hein, vraiment je le pense, j'ai trouvé quand même pas mal de choses.
faire mon bonheur. J'essaie de penser à des fonderies. Après, ça dépend ce que la personne veut dire. J'ai oublié son nom. Mathieu. Oui. Ouais. Bien joué. Je veux dire par accessible, parce que des fois, c'est vrai que selon la taille du projet, ça peut être des licences qui peuvent... Ça grimpe vite, quoi. Si c'est, par exemple, un gros site web ou un spot TV, ou, c'est hyper flexible. Mais je sais que quand même, de mon expérience en tout cas, les fonderies, elles aiment bien quand les gens leur demandent. Elles aiment bien soutenir, elles aiment bien donner un petit coup de main si elles peuvent. Enfin... Je pense qu'il ne faut pas, je vais utiliser la question de Mathieu pour dire qu'il ne faut pas hésiter à les contacter et qu'il n'y a pas un grand fossé entre la création graphique et la création typographique. Les fonderies, voilà, c'est des vrais gens, ils sont accessibles et il ne faut pas hésiter à demander pour avoir pourquoi pas une petite réunion ou demander, par exemple, il y a la fonderie Oh No Type Co. qui est aux États-Unis, je vais vous la mettre, qui a une licence que je trouve assez marrante, une licence spéciale social media. Et du coup, les fonds sont gratuites pour faire des posts Instagram. Et ah, c'est trop cool. Il faut juste le mentionner, dire okay. Un peu gentil. Mais voilà, c'est... Et toutes les fonds sont... Franchement, je trouve ça hyper original. Et... Ouais, carrément. Et en plus, c'est vrai que malheureusement, faire des posts Instagram, ça fait partie de... métier créatif pour beaucoup. Bah ouais, carrément. Voilà, il ne faut pas hésiter à voir qu'il y a plein d'initiatives possibles, que les gens sont ouverts et que c'est vrai que c'est une communauté qui est hyper vivante et franchement, pour moi, j'adore. Je trouve que la communauté est incroyable. Donc, n'hésitez pas. Alors, je me rappelle d'un invité et j'avais trouvé ça hyper cool. Alors lui, il disait qu'il faisait aussi attention à choisir des typographes vivants, soutenir en fait les typographes qui travaillent. Donc en fait, il y a plein de fonts qui sont historiques, qui sont vieilles. En fait, plutôt que de donner de l'argent à des gens qui sont morts depuis des dizaines d'années, en fait, lui, il s'appliquait à soutenir les typographes vivants. Donc je trouvais que c'était hyper cool en fait. On n'y pense pas spécialement, mais du coup, ça soutient les gens comme toi et la création, quoi. Carrément. Et je fais aussi, pas mal de trucs pour dans mon activité, mais entre autres, je fais du conseil typographique aussi parfois, donc aider les marques, les agences à faire des choix de typo sans création. Et j'ai des petits questionnaires que j'envoie aux clients pour récolter un peu des infos. Et j'ai une question là-dessus sur est-ce que c'est important pour vous de soutenir une catégorie de personnes en particulier, c'est ce qu'on voulait des typos créés par des femmes, des personnes. Est-ce que c'est important pour vous, des personnes vivantes, en effet, parce que c'est vrai que c'est un sujet sur ton travail. Et je pense que voilà, c'est bien aussi d'être au courant de ça, et si on fait un effort pour y penser, c'est encore mieux. Oui, carrément. Ah, du coup, c'est pour ça, autant qu'on essaie de partager ça ici. Il y a Tico Nio qui a une réflexion. Et il nous dit, il y a surtout une culture de la typographie qui disparaît, et dans notre environnement quotidien, il y a souvent des erreurs de choix, de réglage, de pertinence. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce que tu penses que c'est vrai ? En fait, j'ai l'impression que... Enfin, je dis ça, je réponds du mieux que je peux de ma petite expérience, parce que même si voilà, c'est ma spécialité, ça reste, à l'échelle de ma vie, assez nouveau. Et à l'échelle de la création typo aussi. J'ai vraiment l'impression, et j'espère que je ne me trompe pas, que ça change et qu'il y a un vrai regain d'intérêt pour la typographie en tant que craft presque. Je dis craft dans le sens savoir-faire vraiment. Ouais. Et je pense que ça se voit un peu sur ce qui se passe sur les réseaux, ça se voit dans les projets de design. Sur les dernières années, il y a eu quand même énormément de gros projets avec des belles fontes custom qui n'avaient pas forcément il y a une dizaine d'années. J'ai quand même l'impression que ça revient sur le devant de la scène design, et c'est des choses dont j'ai parlé avec des gens qui étaient là bien avant moi, qui pratiquent la typographie depuis 20, 25, 30 ans, et il y a 30 ans, c'était pas cool la typo, pas du tout même. C'était hyper nerdy, hyper mal compris. C'était complètement isolé du reste de la création graphique. Et je pense que, j'espère pas me tromper, normalement, l'écart va se réduire. Et d'après ce qu'on voit, y a plein de signaux qui indiquent que les gens aiment ça, quoi. Ils sont prêts à soutenir ça. Et bien.
Ouais, carrément. Moi, j'ai la sensation qu'il y a eu un petit. Il y a eu une grosse phase, le minimalisme, le flat, le machin, et qu'on en sort enfin. Et Ouais. qu'il y a plus de choses qui se passent, tu vois. Tous les trucs de luxe, là, qui sont tous fait leur typo, machin, qui étaient tous de la même. Tu vois, et ça, en fait, je crois qu'on s'est un peu rendu compte qu'on en avait marre, et je crois qu'il y a beaucoup plus de choses maintenant, et c'est. Écoute, on verra bien. Mais ça bouge, en tout cas, on sort du minimalisme et de la grille et du truc, quoi. D'accord avec toi. Est-ce que vous voulez que je vous parle un peu de ce que j'avais entre guillemets prévu pour. Oui, bah écoute, carrément, vas-y, vas-y. En fait, je voulais vous parler très vite fait de comment moi j'approchais la création de typo, entre autres pour un logo, parce que pour le branding, c'est vrai que c'est souvent autour d'un logo. Et en fait, je trouve ça incroyable comme matériau, les mots et les lettres. Et c'est tellement malléable, en fait, on peut vraiment faire tellement, tellement de choses avec ça. Et c'est vraiment comme ça que je me suis créé une sorte de petite méthode pour mon travail. Et du coup, je voulais partager ça avec vous en utilisant un petit exemple d'un truc que j'avais fait. Voilà, je vous partage ma petite structure de travail. Dans les lettres qu'on a, donc notre matériau, bah, il y a leur structure graphique, donc leur forme. Il y a les sons, parce que forcément, on a des informations sonores. Le sémantique, donc ce que ça veut dire, et la sémiologie, c'est d'avoir encore plus loin, mais du coup, le symbole, qu'est-ce que ça pourrait rappeler, quel signe culturel ou autre ça rappelle, quoi. Et avec ça, il y a de quoi faire. En plus de ça, il y a l'histoire typographique, donc il y a des gens qui ont parlé de ça. On est obligé de faire avec parce qu'on ne design pas dans un vide où il n'y a rien qui existe, il y a des siècles et des siècles de. Derrière nous, il y a des références, il y a des modes, des courants, enfin voilà, il y a eu plein de choses qui ont été faites et on peut pas se défaire de ça. Et il y a des goûts personnels, des goûts sociaux, culturels, trucs plus global, tout ça on en hérite. Et du coup, j'essaie toujours de penser à tous ces paramètres, d'abord sur les lettres et d'abord sur l'histoire typographique. Et je vous ai mis ce logo là, c'est un logo pour une agence de communication digitale spécialisée dans la beauté et le luxe. Ils ont vers l'année dernière et bon, voilà, du coup, ils avaient un cahier des charges, ils voulaient un logo, etc. Mais je vous l'ai mis juste pour traduire un peu concrètement ce que ça veut dire cette petite méthode quand je travaille. La structure du mot, bon, ils voulaient des capitales. Sur le whiz, on a plein de diagonales, donc forcément, moi, ça m'a inspiré. C'est cool, déjà, c'est des mots cool, non ? Des fois, il y a des mots qui t'inspirent plus que d'autres. Bah, complètement, complètement. Et c'est pour ça que je me suis fait cette petite structure pour travailler, parce que des fois, il y a des trucs sur lesquels il faut capitaliser. Ouais. Parce que c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, c'est frustrant parce que là, j'ai un projet qui est exactement comme ça, mais que je ne peux pas montrer parce que c'est sorti. Bah, écoute, tu reviendras pour nous le montrer. Et puis voilà. Mais ouais, quoi, carrément. Et là, c'est vrai que les mots étaient cool. En fait, le oui, c'était le surnom de la fondatrice. C'était pas son vrai nom, mais c'est comme ça que les gens l'appelaient. Et voilà, par rapport à la structure, les diagonales, tout de suite, je les ai vues. Forcément, j'ai eu envie de faire un truc avec ça. Donc, le I aussi est en diagonale. Normalement, il ne l'est pas. Mais comme il y avait le W qui a déjà 4 diagonales plus le Z, forcément, j'ai eu envie de le... Voilà. Et le co, bah, forcément, il y a 2 lettres très rondes. Donc, enfin, voilà, c'est quelque chose. Il faut trouver un équilibre, quoi. Avec toutes ces diagonales, ces trucs très ronds, forcément, je sais que je vais devoir travailler avec ça. Ensuite, au niveau ouais, les sons et le rythme du mot, c'est clairement divisé en 2. Les 2 parties sont autant importantes les unes que les autres. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que le swash du Z, il est là un peu pour recentrer le milieu du mot, quoi. J'ai mis un peu comme ça parce que le hand, techniquement, c'est ce qui sépare. Mais ce milieu du swash, là, il décale un peu le truc. Ouais. Voilà. Sémantique, on en a parlé, puisque oui, c'était le nom de la fondatrice et puis le co pour collaborateur, etc. Donc, ça c'était important qu'il y ait l'idée du bien et que ce soit un truc qui lui ressemble. Et après, voilà, sémiologie, ça s'appliquait pas vraiment, mais le mot whiz, c'est vrai que c'est un mot quand même qui a un côté presque magique, c'est un côté un peu abracadabra, whiz, machin. Donc, le côté mouvement était important pour moi. Après, je vous ai mis un petit texte, on n'est pas obligé de tout lire, hein, mais voilà.
Capitale britannique du XXe siècle, une escarpette all style pour un ancrage, un grand swash, mouvement, légèreté, etc. Ça, c'est ce que je dis à mes clients après pour leur résumer un peu ce qu'on a fait. Et deux mots très vite fait sur la partie historique. Du coup, bah, là, je pense que vous pouvez reconnaître bah, le canigou dont j'ai parlé pour mes cartes de visite. C'est un peu la même, même période aussi. C'est une coïncidence. Hein. Je ne fais pas que ça, mais ça tombe bien. Donc, tout ce qui est voilà, identité visuelle, par exemple, entre autres du métro londonien, le mosaïque, etc. Et puis le côté old style pour le mouvement et puis un truc un peu plus ancré. Voilà, donc c'était juste pour vous parler un peu de comment est-ce que je travaille. Et du coup, je m'étais dit que ce serait cool si on faisait un petit exercice où on prenait une fausse marque avec un faux nom. Et j'ai fait, en fait, j'ai préparé trois logos différents sur Illustrator, donc on va parler un peu d'Illustrator, pour ben, voir en fait tout ce qu'on peut faire avec les lettres. Ok, et eh ben écoute, carrément. Tiens, je... Merci les gens dans le chat. Il y a Greg qui me dit que c'est Jean Loufuse qu'on a reçu en plus hier qui disait qu'il fallait, qu'il fallait prendre les typographes vivants. Ouais. donc comme ça, Jean Loufuse, il y a un très bon humain aussi qui est vraiment chouette, qui bosse dans l'édition et qui est vraiment une brute dans son domaine. Donc super cool. Merci Greg de nous rappeler ça. Il y a une question de Étienne. Mmh. Il demande, est-ce qu'il y a une lettre qui pose systématiquement problème pour toi ? Je pense que les typographes, on est quand même d'accord pour dire que le S, on l'aime pas trop. Ah ouais ? Ok. Le S, en fait, c'est difficile au niveau du dessin, je veux dire, vraiment vectoriel. Ouais. La main, pas tant que ça, mais c'est traduire en vectoriel. On peut voir des S, juste pour qu'on se rende compte de ce que tu nous dis. Faudrait que je vous glisse, mais c'est pas vraiment une appli Adobe, donc... Si on... bah, en plus, dans le logo que j'ai préparé pour aujourd'hui, on n'a pas... Bah, je vais... Sur mon Instagram, je me demande s'il n'y a pas un truc. Ouais, par exemple, celui-là. En fait, il faut trouver une manière de placer les points d'ancrage. Donc, les gens qui nous regardent, j'espère que vous savez ce que c'est les points d'ancrage. Sinon, j'ai prévu pour vous une micro masterclass pour vous expliquer. Ça arrive sur Illustrator, mais... C'est sur la plume. Voilà, exactement. Et en fait, avec le S, la partie qui pose problème souvent, c'est ça. C'est okay. Ça. Parce qu'il faut trouver une manière de que les lignes ne se brisent pas et qu'il y ait une épaisseur constante et harmonieuse. Et c'est vrai que souvent, c'est pas facile. Parce qu'il y a des lettres, voilà, déjà c'est majoritairement des lignes droites, là c'est courbe. Oui, le S est difficile. Après, franchement, avec l'expérience, maintenant ça me fait plus trop peur. Je sais ce que ça va faire. Et puis, il ne faut pas hésiter à apprendre aussi hein, le nombre de fois où j'ai ouvert des fichiers Glyphs d'autres typos, pas pour les pirater, hein, surtout pas, mais pour voir comment c'était construit et ce qui était bien de faire. J'ai fait ça tellement de fois avant d'avoir assez confiance en mon propre dessin pour le faire moi-même. N'hésitez pas, hein. Faut pas hésiter à apprendre, à demander, à se tromper. Et en fait, ce que je dis souvent, y compris aux étudiants, c'est que ça va plus vite d'entraîner son œil que sa main. Et en fait, au bout d'un moment, on arrive à voir que ça va pas. Et ça prend un bout de temps à arriver à le gérer. On peut faire, ouais. On voit que ça va pas, mais on se dit, putain, je sais pas pourquoi ça va pas. Mais voilà, faut aussi pas être... c'est pour ça qu'il faut regarder, parce que entraîner ses yeux, c'est aussi super important. Ok, trop cool, merci. Voilà pour le S. Du coup, vous êtes prêts à voir mes petits logos que je vous ai fait pour aujourd'hui. Alors, j'ouvre Illustrator. Tadam! Je vous ai fait Tati, si c'était pas Tati. Parce que, ah, trop bien. J'adore le logo Tati de base, je trouve que c'est, je sais pas, j'adore l'identité visuelle de Tati et je vous ai pris ça parce qu'avec ce que je vous ai montré sur la structure et tout, je trouve que c'est un mot intéressant. Pourquoi tu aimes le logo de Tati? Je sais pas, le côté damier rose avec la typo bleue, barbès et tout, je sais pas, j'adorais passer devant en métro le grand Tati là, j'ai toujours trouvé ça très cool en fait.
Mais voilà, c'est une petite remarque sur Tatine. Et en fait, ça, j'ai repris, je ne sais pas le dire, hein, j'ai repris directement un exercice que j'avais eu en master à l'ECV, où on avait dû faire exactement ça, piocher un mot au hasard, et ensuite piocher trois domaines d'activité au hasard. Et l'identité visuelle, bah voilà, qui était en rapport avec le domaine d'activité, mais le même mot. Et là, je vous ai refait exactement pareil. Du coup, j'aimerais bien savoir ce que ça vous inspire. En fait, je ne sais pas si les gens dans le chat vont réagir, mais moi j'ai une petite idée de ce que j'ai fait pour chaque truc et pourquoi. Mais s'il y a des gens qui voilà, veulent dire à quoi ça les fait penser, qu'ils n'hésitent pas. Ah ouais, carrément, instinctivement. Bah, vas-y, bah, pendant qu'on attend les réponses, qu'il y a 30 secondes de décalage. Moi, je me pose la question aussi. C'est marrant, le premier, il est à la limite de la lisibilité, en fait, si tu sais pas ce que c'est. Exactement. Je vais faire défiler. Hein. En fait, je vais fermer aussi tous mes trucs. Hein. Alors tiens, il y a Étienne qui nous dit, perso, le E et le T m'ont toujours posé problème. Ah oui, c'est vrai? Ouais, c'est marrant. Bah, j'espère pas en sens sérif, hein, parce que quand même, c'est pas très dur. Ouais. Et Benoît qui rebondit sur le minimalisme et qui dit c'est plutôt une très mauvaise application du minimalisme, car au contraire, tout est important dans ce mouvement. Chaque espace, chaque composant prend une place majeure. Ouais, carrément. C'est clair, du coup, le minimalisme a été transformé en un truc qui était devenu un peu même de la fainéantise, entre guillemets, tu vois. Tout se ressemble à la fin. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, je suis un peu curieuse là-dessus. Voilà, le petit logo. Et ben, pendant qu'on attend les réponses, si tu veux, je peux montrer un peu les points d'ancrage, etc., pour partager quelques conseils de dessin, parce que je pense que c'est des gens qui peuvent apprendre quelque chose, pourquoi pas. Donc là, je clique sur mon logo vectorisé. Vous pouvez voir les points d'ancrage et les poignées qui apparaissent. Et en fait, le but, quand vous faites du dessin vectoriel, c'est d'avoir vraiment le moins de points possible. C'est en général, plus votre dessin sera beau, moins il y aura de points, plus votre dessin sera beau et clean. Le but, c'est de placer, je suis sûre que les gens savent ça, hein, mais je leur dis quand même. Ah non, mais c'est toujours un bon rappel. Le but, c'est d'avoir les points aux extrémités, en fait, surtout sur les courbes. Donc là, par exemple, si je zoome, c'est vraiment là où la courbe est la plus... là où il y a la tangente, en fait. Ok. Vraiment, voilà, c'est mathématique, courbe de Bézier. Les points d'extrémités, et après pour les poignées, il y a une sorte de règle des tiers qui s'applique, où le but c'est d'avoir plus ou moins un tiers là, un tiers là, un tiers là. Alors évidemment, c'est adapté en fonction du design, etc., mais globalement, c'est un peu le principe. D'ailleurs, vous pouvez voir là que, par exemple, un petit point d'ancrage là serait le bienvenu. Ok. Donc voilà, le but c'est de faire ça, et en général ça donne des dessins pas trop mal. Donc évidemment, sur des choses beaucoup plus géométriques, le problème se pose beaucoup moins, parce que voilà, il n'y a pas de poignée, en fait. Donc c'est quand même plus facile à gérer, mais pour tout ce qui est courbe, c'est un bon principe directeur. Et là, je ne sais pas ce que ça donne. Ah, c'est marrant, je ne vois pas toutes les poignées. Ah ouais. Ouais, je ne sais pas pourquoi mes poignées se... Ouais, bah, si elles sont là, quand je suis dessus, elles sont là. Ah, peut-être quand je sélectionne tout. Ouais, voilà. Voilà, donc là, vous voyez que c'est à peu près comme je vous ai dit de faire, à peu près. On est sur du à peu près un tiers, un tiers, un tiers. Il y a le moins de points possible, voilà. Et j'utilise beaucoup Illustrator, mais pas forcément pour le dessin. Forcément, il y a des applications quand même plus spécialisées pour le dessin de caractère. Moi, je suis beaucoup sur Gimp qui est là. Mais Illustrator, il y a quand même des fonctionnalités que n'a pas Gimp, c'est inversement. Donc, franchement, je veux travailler avec les deux ouverts. Et je fais pas mal d'allers-retours. Je sais pas s'il y a eu des avis sur les logos dans le chat. Oui, on a plein d'avis. Et moi, je dirais aussi, tu sais... Pour ceux qui ont envie de s'entraîner à la plume, il y a ce jeu-là, pour les graphistes, tu sais, où tu dois faire... Le truc interactif, un truc... Ouais, c'est ça, il y a un truc interactif pour s'entraîner à faire des trucs en le moins de points possible. Tu dois faire des tours de voiture et tout. Vraiment, les jeux de graphistes. Je crois que dans le même jeu, il y a un truc pour voir si les trucs sont centrés, pour voir les couleurs et tout. Si Alexandre, il peut nous retrouver ça. Ça, c'est... Voilà. Alors, on a plein de réponses.
Ah, super, génial. Et du coup, alors, il y a Tikonio qui nous dit le troisième. Il me fait penser à un côté asiatique-japonais. Rémi qui est d'accord, côté asiatique du troisième. Virginie dit le premier m'évoque la mer et le deux plutôt un restaurant. Okay. Rémi, qui dit alors maritime, horoscope pour le premier. Ah, c'est cool ça. Ok, oui, c'est vrai, on dirait presque le signe du taureau un peu. Ouais, c'est vrai, c'est bien trouvé. Marion qui nous dit le A de la typo la plus à droite me fait penser à un tori japonais. Plus un pour le côté asiatique. Greg, japonisant. Marion qui dit le premier, est-ce qu'il a un rapport avec l'eau? Bertrand qui dit le deuxième fait penser à la nourriture légère et onctueuse. Tipeño qui dit bah, deuxième, produit luxe, cosmétique, un peu floral. Marion, peut-être de la couture. Alain qui nous dit un, des lignes de parasol des marchés. Ah, c'est cool. Deux, plutôt une boulangerie. Et trois, les sushis. Franck sort de mon corps. Allez. Morgane qui dit, je ne saurais l'expliquer, mais le premier m'évoque quelque chose d'assez italien. J'ai instinctivement pensé à des pâtes ou à des glaces. Ça, c'est parce que c'est l'heure de goûter. Voilà, bientôt. bonjour Nathalie qui nous rejoint, qui est host sur... l'autre, le Adobe UK. On lui envoie des bisous. Et Delphine qui nous dit la 3, peut-être quelque chose dans le meuble. Voilà. Il a pas tort. Pour l'instant, il y a eu, c'est Morgan qui a eu trouvé le mieux pour celui-là. Ouais. Celui-là, pour le côté meuble, il y a l'idée. Et il y a quelqu'un qui a dit luxe cosmétique. Ouais. Ok, bon, bah, ça va, ça me rassure, il n'y en est pas totalement à côté de la plaque. Mais c'est aussi super intéressant de voir comme ça les réactions à chaud des gens, parce que c'est vrai que des fois, nous, on a une idée en tête de ce que ça veut dire, et après, on le montre, et les gens, ils ont une idée complètement autre. C'est important aussi de se sortir de son petit monde de graphiste, typographe, et de. Bah, souvent, les clients ou les gens qui vont utiliser ce logo ne sont pas forcément dans ce monde-là, et c'est super intéressant. Moi, j'adore avoir les réactions des gens. Du coup, pour celui-là, je m'étais imaginé un brief de soit resto méditerranéen, grec, italien, avec le côté un peu colonne ionique, un peu pâte, un peu plage aussi. Enfin, il y avait le maître mot, c'était Méditerranée. Ouais. Donc, écoute, Morgane, il n'était pas très loin. Franchement, moi, je voyais plus Grèce, mais Italie, ça marche aussi. Parce qu'il y a aussi pas mal de voilà, colonnes de ce style-là. On est là-dedans. Je ne sais pas s'il y a un trait. Ouais, et en effet, c'est vrai que celui-là, c'est presque à la limite de la lisibilité, mais la suite de l'exercice, mais le truc que je vous ai préparé aujourd'hui, c'est de mettre en forme des petites cartes de visite pour chacun de ces trucs. Et du coup, c'est aussi pour montrer que le contexte aide énormément. Et c'est vrai okay. Que comme ça, on se dit, wow, est-ce que c'est des lettres? Et si on le voit sur une carte de visite, avec le texte qu'il faut, etc., en général, ça aide. Celui-là, je m'étais imaginé un brief de joaillerie, un peu dans le quartier, etc., parce que souvent, il faut des choses qui peuvent être gravées de manière assez fine. Voilà, donc pourquoi pas un joaillier tati, hein, c'est pas un jeu, pourquoi pas. Et pour celui-là, alors c'est vrai qu'il y a un côté un peu asiatique, mais ce n'était pas ce qui a guidé mon truc. Moi, je m'étais dit plutôt cabinet d'architecte. Ok, ah, c'est marrant parce qu'on a eu quasiment l'unanimité sur le truc japonisant. Ouais, et c'est vrai que je pense que c'est peut-être le bout du A à régler, peut-être. Mais voilà, en fait, l'idée, c'était. En fait, pour moi, le A, alors, c'est hyper nerdy, mais c'est une table d'établi. Ok. Vu de côté. Et forcément, bah, les coins, comme on peut parfois voir sur les plans, les coins de. Pièce représentée. Voilà. Donc, c'était l'idée. Je trouve ça, j'adore. Merci aux gens qui ont réagi. Je trouve ça super intéressant. C'est trop marrant. Moi, je voyais un peu. Bah, du coup, pareil, sur la dernière, je voyais un peu les posters genre communistes d'Asie, du Vietnam, des trucs comme ça. Écoute, why not? Tu vois, donc c'est trop marrant. Alors, attends, il y a Hello World qui nous dit le 1 mode, 2 restaurant, 3 industrie. Tu vois, industrie, il s'y rapprochait. Et Ed Mathieu qui nous dit 1, quelque chose avec de l'eau, 2, pour du luxe, et 3, pour de l'industriel, peut-être.
Du coup, du côté YouTube, vous étiez dans l'industriel et du côté Behance, c'était l'Asie et le Japon. Il faudrait faire une analyse là-dessus. Pour c'est marrant, ouais. Non, c'est super. Cool. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est passer sur InDesign plutôt et faire des petites cartes de visite si ça vous dit. Bah écoute, carrément. Et Morgane qui nous dit « Ça m'impressionnera toujours de voir comment de simples formes peuvent nous évoquer des univers aussi riches. » voilà, c'est pour ta résumé pourquoi je fais ce que je fais. Je trouve ça incroyable. En fait, c'est juste 4 lettres. Et avec tous les éléments que je vous ai montrés avant sur la structure des mots, sur le son aussi, enfin là, je trouve que voilà, pas les mêmes éléments sont utilisés à chaque fois. Évidemment, les deux T sont importants, je dirais, dans chaque truc. La symétrie aussi, mais je suis d'accord, entièrement d'accord avec cette phrase, c'est incroyable. Oui, il y a LeafType qui nous dit le dernier A faisait un peu cyrillique aussi. Ça, c'était... c'est vrai, même si c'est presque... C'est pour ça que moi j'ai vu des posters communistes, mais en Asie, tu vois, il y a eu un truc, un mélange des deux. Ouais, très bien. Allez, je te laisse continuer. Passer sur une design. Alors, mon truc est déjà ouvert, mais voilà, je m'étais fait un petit document, j'avais préparé. Carte de visite, là je suis dans mon gabarit, donc ça ne va pas aller. Voilà, parfait. Du coup, je vais juste copier un petit document. Je vais copier les 3 en même temps. Allez, non. Et du coup, voilà, on va s'amuser à faire des petites cartes de visite. Alors, c'est marrant parce que les cartes de visite, c'est un projet qui est devenu un peu obsolète. Hein. C'est vrai que sur l'année passée, est-ce que vous avez donné beaucoup de cartes de visite ? Je ne sais pas, mais moi, pas trop. Ah oui, c'est vrai, ça. Dit comme ça, tout de suite, ça rend triste. Ça rend super triste, mais ça va revenir. Et moi, personnellement, j'ai une passion incroyable pour les cartes de visite. Voilà, je vais inclure aujourd'hui dans mon truc. Et petit shout-out aussi à mon imprimeur incroyable de mes cartes de visite, Atelier Bulk. Franchement, ils sont géniaux, hyper sympas. Je les recommande à 100%. Hop, là. Bon, les imprimeurs, c'est comme les typographes. C'est cool de prendre des gens pas très loin de chez vous, travailler avec eux. Et tout, c'est toujours plus chouette d'encourager les gens passionnés qui sont pas loin. Alors, du coup, je me suis dit que on garderait ça plutôt simple. Parce qu'on ne va pas non plus faire 3000 logos. Enfin, j'en ai déjà fait 3, c'est beaucoup. Qu'est-ce qui irait bien là, pour mon idée de resto méditerranéen? Je me disais peut-être un joli bleu. Ça. Un joli bleu. On va faire que le recto pour l'instant. Hein, si on a le temps, on fera un petit verso, mais... Hop. Alors évidemment, RVB, ça ne va pas aller. Je vais le mettre en CMGN parce que sinon, on ne va pas pouvoir l'imprimer, notre carte. C'est vrai. Ah, bah, je suis en CMGN. Parfait. Pourquoi je suis en RVB là ? Alors... Ah oui, ça a l'air tellement flash. Hop, voilà, CMGN, parfait. Donc, un joli bleu, peut-être un bleu ciel pour l'été aussi. Il y a un petit côté grec, là, je trouve, qui est pas mal. Ou alors un bleu légèrement plus clair. Enfin, j'aimais bien bleu clair. Si je sélectionnais mes couleurs comme ça, mes clients, ils se diraient, oh là là. Oh, un petit bleu, allez, pourquoi pas. Oui, tu fais comment normalement, du coup? Franchement, je prends énormément de temps pour ça, et y compris... Alors, ça dépend de ce que je fais, parce que maintenant, c'est vrai que je fais quand même beaucoup de typos, même si parfois je fais de la DA. Mais j'aime bien prendre le temps de vraiment voir ce que ça rend imprimé, d'autres références, de ne pas être juste sur l'ordi, parce que forcément, ça va changer. Sauf si c'est une application complètement digitale, mais franchement, c'est rare. Il y a toujours quelque chose, que ce soit du packaging ou des produits imprimés, enfin, il y a toujours quelque chose. Et franchement, je trouve que ça aussi, des fois, c'est un peu bâclé. Justement aussi à cause des outils qu'on a qui sont hyper performants et tout, mais des fois c'est bien d'essayer d'imprimer, de scanner, de voir. Et un peu comme pour mes inspirations typo, j'aime bien m'inspirer des objets physiques en fait. Et des fois ça m'arrive de prendre des photos d'objets et d'extraire les couleurs de ça ou de les scanner et d'extraire les couleurs directement comme ça. Parce que c'est trop bien, ouais.
Il y a une richesse là-dedans. Bah ça, c'est pas mal, ce petit bleu là. Je vais essayer dans l'autre sens avec un fond bleu. Et après, on va exporter les petits JPEG et les mettre dans un mock-up de carte de visite pour Eh voir ça. bien, écoute, allez. Alors, n'hésitez pas à réagir si vous dites, ah là là, ce bleu, c'est horrible. Bon, arrangé. Alors, voilà, tac. Ouais, pourquoi pas. Après, il ne faut pas hésiter aussi entre ce que l'ordinateur dit et nos yeux. Par exemple, là, moi, quand je le vois, j'ai l'impression que c'est un peu décalé parce qu'en fait, c'est l'empattement du thé là, qui déborde un peu. Ouais. Du coup, fait que c'est, enfin, ça paraît optiquement pas forcément au milieu alors qu'il est aligné sur la page. Moi, je n'hésite pas à décaler. En fait, je fais, plus ça va, plus je fais confiance à mon œil. Et là, je sais que pour que ce soit équilibré, bah, il ne faut pas hésiter à le mettre légèrement à droite. N'hésitez pas non plus à vous faire confiance, même si l'ordi vous dit que c'est. Que c'est centré. Ouais. Et ça l'est, hein, mais c'est important aussi de. Bah, c'est pour ça qu'on a encore des petits détails designers et que tout n'est pas fait par un ordinateur. Ouais, Alors. carrément. D'ailleurs, le fun fact sur la barre du H, La barre du H. bah, la barre du H, elle est jamais au milieu, elle est un tout petit peu au-dessus. Parce qu'il y a la. Comme on est victime de la gravité, en fait, les choses. Bah, visuels sont victimes de la gravité aussi, et donc pour compenser ça, ils remontent un petit peu la barre du H. Et souvent, quand vous avez des livres carrés, ils ne sont pas vraiment carrés, ils sont un tout petit peu plus haut que large. Et vous êtes plus grand que ce que vous avez l'air dans la vraie vie. La gravité vous tasse un peu. Donc c'est pareil pour les lettres et tout, ça c'est hyper cool, c'est le graphisme. Donc des fois, quand vous centrez au milieu, et bah, c'est bien de remonter un tout petit peu votre titre ou vos trucs. Quand vous voulez un truc au milieu, il faut le remonter un peu, sinon il tombe. Exactement. D'ailleurs, la typo, c'est aussi plein d'ajustements optiques divers et variés, entre autres pour les courbes, pour toutes les lettres rondes qui dépassent sur la hauteur d'X, sur la ligne de base, bah, il faut que ça dépasse, sinon ça paraît trop petit. Voilà. Donc ça, Moi, c'est. je trouve ça fou, en fait, que tu vois, ça soit pas un truc mathématique Ouais. qui faille, tu vois, il faut l'œil humain pour que ça soit harmonieux et tout. Je trouve ça fascinant. Je trouve ça trop cool. Je vais essayer de faire des layouts un tout petit peu variés. Ça ne va pas être la folie, mais celui-là, on va le laisser comme ça. Lui, je me disais, là, ce serait pas mal dans le Ouais. coin. En plus, avec un plan tournant qui est assez correspondant à ce qu'il y a entre les lettres, ça serait bien. Et lui, peut-être un petit peu plus petit. Ou alors, on pourrait le mettre en format portrait, celui-là. Après, on le verra moins bien dans le mock-up. Non, je vais le garder comme ça, mais un peu plus petit. Et peut-être je vais lui mettre une petite ligne ou un truc. Voilà, pour faire genre, j'ai fait un layout. Voilà, je vais lui mettre un petit trait. Hop, je vais appuyer sur Shift pour que ce soit droit, bien sûr. Hein. Hop, on dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Et Alors, ça, j'en veux pas. Je vais le faire. Quelle couleur on lui fait la joaillerie? Pas copier un truc qui existe déjà, j'ai pas envie de bah, faire. c'est toujours un petit, on a envie que ça soit un doré à chaud, tu vois, un truc comme ça. Ouais, malheureusement, j'ai pas prévu les finitions dans mon mock-up, mais pas grave. Je me demande si je vais pas le laisser noir et blanc celui-là. Je vais Ouais, carrément. le voilà. Ouais. Là, en regardant mon logo, je me dis que ce serait pas mal que ce soit un petit peu plus fin en fait, ça, mais. Pas très grave. Là, il n'y a pas de client qui va bien. Voilà. Voilà mon beau layout pour mon joaillier Tati. Et celui-là, comme ça, je l'aime bien. Par contre, lui, on va lui trouver une couleur. J'avais dit quoi, cabinet d'architecte? Après, franchement, restaurant asiatique, pourquoi pas, hein, mais j'ai déjà fait un restaurant pour l'autre truc. Donc, alors. Ça pourrait être trois restaurants, mais qui font de la cuisine différente, hein. Ah, on pourrait, ça me Ouais. plaît. En plus, c'est vrai que c'est ce que je fais au final. Je fais beaucoup de restaurants et food. Là, j'ai eu un projet hyper intéressant pour une marque d'épices, Ah, trop bien. de mélange d'épices. Super intéressant, super beau. J'ai hâte que ça sorte. Alors, lui, on va le faire. Bon, j'essaye des trucs, hein. N'hésitez pas à me dire si c'est moche.
Ah ouais, je le vois rouge depuis le début. Je le vois rouge et noir, mais ça, c'est coincé dans mes yeux en rouge et noir depuis tout à l'heure. Merci le plus. Ah ouais. Hop, alors. Rouge, marron, ou alors un beau vert foncé pour du architecte paysagiste, pas mal. Je sais pas. Ah ouais, carrément. Je fais ça vraiment. Voilà, comme ça, et ça, on va le mettre. Pourquoi pas un petit vert un peu plus sauge, peut-être. T'as un avis, Pauline ? Bah tiens, il y a Hello World qui nous dit « N'hésitez pas à consulter aussi le cercle chromatique pour faire des... » Oui, c'est vrai. Bah là, c'est vrai que je fais ça un peu avec les trucs... À l'instinct. Voilà, à l'instinct, et puis aussi pour que ça soit rapide pour vous, comme j'avais plein d'autres trucs à vous montrer et pas de temps, il fallait que je vous parle, mais en général, il y a un truc aussi qui est assez cool qui s'appelle Colors. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, c'est... coloré, donc colors, mais avec cool comme cool, c'est O. Ouais. Et en fait, c'est pour faire des gammes colorées du coup sur internet avec du RGB. Et c'est hyper marrant. C'est... Ok. Oui, on peut choisir des couleurs, automatiquement en mettre d'autres qui viennent avec, loquer certaines qui nous plaisent et changer celles qui nous plaisent pas. C'est marrant. Bah, il y a. Attends, suis-je bête ? Voilà. Je ne me rappelle plus du nom. Il y a. Adobe Capture, qui est hyper cool aussi, qui vous sert, moi je vous la conseille, elle est trop drôle cette appli, qui vous sert justement à prendre des photos et en fait ça vous chope la palette de couleurs, ça la met dans votre bibliothèque, vous pouvez la retrouver après, si vous cherchez une typo que vous savez pas ce que c'est, ça, vous pouvez la prendre en photo et ça vous trouve la typo, enfin Capture c'est un peu magique. Hein. Oui, mais ça me demande... Alors, j'ai fait mes petits trucs. Alors, j'hésite à faire des petits versos, mais je me dis qu'on n'aura peut-être pas forcément le temps. C'est dommage. Je pense que moi, j'ai envie de voir les beaux mock-ups là, finis. Donc, je vais les exporter. Faire des petits JPEG. Ah, ça y est. Non, je crois que mon ordi allait planter, mais il survit pour l'instant. Marion qui dit vert et gris. Alexandre qui partage, vous avez Adobe Color aussi avec le cercle chromatique. J'ai vraiment pris les pires trucs pour sélectionner les couleurs, mais bon, c'est pas grave. Ah non, mais t'inquiète, en fait c'est toujours cool de voir le truc le plus simple aussi. C'est vrai que souvent pour moi les stars du show c'est les lettres, hein. Vous m'excusez. J'ai fait focus là-dessus. Alors, j'ai exporté mes petits trucs. Donc, on va aller sur Photoshop maintenant. Faire des petits mock-ups. C'est vrai que ce serait cool, une session juste dédiée à la couleur. Ouais, bah, bonne idée pour vous. Voilà, je vois des oui-oui dans le fond de la salle. Si quelqu'un connaît quelqu'un qui est super fort avec les couleurs, les théories des couleurs, et qui est gentil et qui aime partager son travail, n'hésitez pas, petit message, voilà. Du coup, là, j'ai un mock-up avec des smart objects. C'est très, très bien pour faire des mock-ups. Si vous ne connaissez pas, utiliser les smart objects, en fait, ça permet de drop directement une image dans un truc et de l'actualiser, en fait, sur une mise en scène souvent en 3D, enfin, plus réaliste que ce qu'on fait, par exemple, sur InDesign. C'est juste, voilà. Donc, je vais utiliser ça maintenant. Alors, je vais tester là, donc là, j'en ai pas besoin. Je vais pouvoir ouvrir mes petits layouts que j'ai exportés. Je tiens à dire, si j'ai des clients ou futurs clients qui me regardent, évidemment, hein, je prends plus de temps pour faire vos cartes de visite. Ah, mon pauvre petit MacBook, il commence à chauffer. Ah, mais... bah là, il a chaud, il est sur Zoom, il lui arrive plein de choses. Ouais. Bah, InDesign, Illustrator, Photoshop, Zoom, c'est un peu extrême pour lui. Oh, tiens, je vois ton truc de profil incorporé, là, ta petite fenêtre d'erreur. Je pense qu'il faudra que Alexandre te réglera ça après. Moi, je ne vais pas te dire de bêtises, mais
pour que tu aies les mêmes profils de couleurs dans tous tes logiciels. Et ensuite, je l'ai exporté en 72 DPI. Du coup, il est... Ah bah voilà. Et Alexandre nous dit, vous pouvez aussi passer par Dimension pour créer des mock-ups. Ouais, c'est vrai que Photoshop, je l'utilise très peu. Par contre, donc c'est vrai que c'est pas le truc où j'ai le plus de réglages, etc. Parce que c'est vrai qu'au final, je m'en sers peu par rapport à mon travail. Souvent, c'est plutôt d'autres personnes dans la chaîne de création qui font ce genre de trucs. Mais en effet, là, je crois que mes profils ne sont pas réglés du tout. Et c'est rare que je fasse des trucs vraiment livrables dans Photoshop. Ça arrive quasiment jamais. Ouais, donc si vous avez un petit message d'erreur comme ça, là. Ouais. Généralement, vous pouvez nous crier au secours sur le Discord, quelqu'un va vous répondre. Mais voilà, ça se règle dans les préférences. Il faut juste mettre le même entre tous les logiciels. Ouais. Et comme ça, vous êtes tranquille. Bah, surtout que c'est vrai que alors pour plein de gens, ça ne devient jamais très important. Mais pour l'impression, les profils de paramétrie, c'est quand même super important. Ouais. Pas que. Hein. Souvent, ça fait quand même des grosses différences. Pour les photographes, pour tous les trucs avec des couleurs et tout, quand même, ça change pas mal. Alexandre nous dit qu'il faut passer par Bridge pour synchroniser les couleurs pour les applis Adobe. Ok. Non, t'inquiète, pas de panique. Et d'ailleurs, c'est cool que tu fasses les mock-ups. On en a parlé la semaine dernière sur la session Portfolio Review, où c'était un conseil qui était revenu de... faire des mises en situation de vos projets, qu'on arrive à se projeter dans vos projets. C'est lié, ces deux mots, que ce soit les mêmes. Voilà, et du coup, les mock-ups, ça aide, en fait, même si c'est des projets imaginaires, et tout de suite, en fait, il a l'air réel et c'est cool. Du coup, je l'avais mis en taille réelle et exporté, même en 300 DPI, mais j'ai l'impression que ça a peut-être pas pris un peu plus long, mon truc. Ouais, non, ça va. Ça va, je vais juste bien le mettre. On est quand même un layout pas trop mal. Je ne me suis toujours pas habituée au fait que maintenant, sur Photoshop, par défaut, la déformation elle est proportionnelle. Oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. Comme ce n'est pas le même, comme ce n'est pas encore harmonisé avec tous les logiciels, ça me pète 3 neurones à chaque fois que je m'en sers. Du coup, j'ai enregistré mon smart object. Donc, normalement, il va être mis à jour là, si tout se passe bien. Voilà. Ouais. Voilà, super. Et du coup, on va se faire plaisir. On va mettre la version inversée sur l'autre. C'est quand même magique, hein. Ouais, non, franchement, c'est pour ça que je tenais à faire ça, parce que franchement, ça prend aucun effort de faire ça, et je trouve que instantanément, ça amène la réalité, quoi. Et moi, quand je fais même à des stades super, au tout début, bah, je fais ça pour voir si ça le fait ou pas, quoi. Si ça craque ou si c'est moche et qu'il n'y a aucun espoir. Je trouve que ça aide. Et même pour les clients, c'est trop cool en fait qu'ils puissent se projeter. Eux, ils ont leur marque, c'est leur petit bébé. Ils ont mis leur corps et âme là-dessus depuis des mois. Et tout d'un coup, en fait, ça a l'air réel et c'est hyper important. Quand vous faites de la DA et tout, vous allez mieux vendre vos produits si les gens arrivent à se projeter, qu'ils sont « Ah, ça y est, c'est mon resto, c'est trop bien, il existe, quoi. » Voilà, donc là, on imagine que c'est le propriétaire du restaurant, Tati, restaurant méditerranéen, qui découvre ça. Est-ce qu'il est content ou pas? Moi, je serais assez contente, mais bon. Bah ouais, carrément. On a une question de Anne-Mathieu. Il demande, les smart objects, c'est des mock-ups ou c'est encore autre chose? En fait, si je ne me trompe pas, j'espère qu'Alexandre ne va pas me dire « Oula ». Alexandre, tu peux crier derrière, on va te voir. Non, en fait, c'est une espèce de couche dans Photoshop, un calque intelligent qui... Souvent, c'est dans les fichiers de mock-up parce que c'est vrai que ça s'y prête bien. Et en fait, c'est un truc qu'on peut mettre à jour. Et quand on l'enregistre, ça se met à jour dans le fichier d'origine avec tous les effets qui sont appliqués sur cet objet. Donc forcément, il y aura, là, on voit qu'il y a des ombres, on peut changer les couleurs, etc. Mais la layer Smart Object, elle est juste comme ça. Donc en fait, c'est très, très facile de mettre à jour. Il ne faut pas tout rechanger dans les trucs. Alors, Alexandre moche la tête. Donc, je me dis, ça va, j'ai c'est pas... Bon. 7 ans que j'utilise les applis Adobe, j'ai pas dit n'importe quoi, c'est bon, ça va. 7 ans, ça va, hein, on est sur du presque débutant, là. Mais du coup, oui, et les smart objects, vous pouvez les faire vous-même et tout aussi, donc c'est hyper cool. C'est juste une manière de lier vers un autre fichier, et comme ça, quand vous allez bidouiller l'autre fichier, ça va se mettre à jour sur l'autre.
Et voilà, les mock-up, c'est déjà tout mis en page. T'as pas besoin de déformer la carte de visite, de lui mettre de l'ombre, de machin. T'as fait ça tout seul. C'est quand même un peu magique. Ah, y a Louisa Crystal qui nous dit, maintenant que je regarde la typographie sur la carte, ça me fait aussi penser à des arêtes de poisson. Plutôt cohérent avec la mer. J'espère que le restaurant ne sert pas d'arêtes de poisson, ce serait dommage. Bah, un restaurant crustacé et poisson grillé, tu vois, au bord de la mer. Voilà notre premier mock-up. Alors, je sais pas, comme il ne reste pas beaucoup de temps, on n'est peut-être pas obligé de faire les autres comme ça, mais je voulais vraiment aller au bout du process pour que déjà vous voyez concrètement comment ça s'applique, le travail qu'on peut faire quand on est dessinateur de caractère. Et aussi parce que je trouve ça, enfin, franchement, je trouve ça toujours magique, quoi. Comme ça a été dit dans le chat, voilà, de voir que ça prend vie, qu'avec un petit peu de couleur, un petit peu de mise en page, bah, ça y est, on a un business, quoi. Presque. Bah, carrément. Voilà, donc s'il y a encore des questions, des gens qui veulent parler de trucs, n'hésitez pas. Et si vous tenez absolument à faire les deux autres cartes de visite en Smart Object, ça peut aussi se faire. On peut aussi regarder. Alors, attends, je regarde. Alors j'ai vu qu'il y avait des questions de lift type mais qui étaient plutôt personnelles sur un truc qui buguait, donc n'hésitez pas. Vous avez aussi le, je sais plus comment ça s'appelle, on en parle tous les jours mais je sais plus, le user voice, les forums sur Adobe, je sais toujours pas lire sur les lèvres Alexandre. Donc il va vous partager le lien, mais n'hésitez pas en tout cas, il y a les forums Adobe où vous pouvez aussi poser vos questions existentielles et y répondre. Donc voilà, c'est ce que je dis souvent, en fait, y a plein de gens qui sont au taquet pour résoudre les bugs, mais par contre, il faut les prévenir, il faut leur dire que les bugs existent. Voilà, Ed Mathieu qui dit, bah, d'accord, je vais chercher, super option. Oui, je pense qu'on a fait plein de sessions là-dessus, c'est surtout Franck hein, qui est trop fort en technique et qui montre plein de trucs, voilà. Voilà, je regarde un petit peu... Écoute, je crois qu'on est pas mal au niveau des questions. Super. Est-ce que... Bah, beaucoup, hein, franchement. Non, non carrément. C'était le timing parfait et tout. Bah, est-ce qu'on aurait un petit mot de la fin ? Je sais que... Bah, moi, j'aimerais bien aborder un sujet avec toi. Tu nous avais parlé du fait que ton année avait été un petit peu compliquée, mais que ça va mieux. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ça, de voilà, comment tu as survécu, comment tu l'as vécu ? Parce que on se disait ça en off. En fait, on a un peu un biais différent ici, parce qu'on reçoit beaucoup d'illustrateurs. Et les illustrateurs, ils étaient très contents d'être confinés. Ils étaient là, ouais, trop bien, moi, je passe ma vie à dessiner et tout. Mais il y a d'autres gens pour qui c'était plus difficile. Donc, toi, tu fais plus partie de cette team-là. Ouais, bah, vraiment, je tiens, enfin, ça me fait plaisir d'aborder ça aujourd'hui parce que déjà, il n'y a aucune honte à avoir galéré l'année dernière. Franchement, ça a été une année très, très, très compliquée, imprévisible. Voilà. C'est vrai que pour moi, avec la dimension additionnelle, le déménagement a été d'autant plus dur. En fait, j'ai déménagé pour le travail de mon copain. Moi, je devais avoir un travail, ça ne s'est pas fait à la dernière minute. Et ensuite, voilà. Donc, je me suis retrouvée du jour au lendemain avec rien. Pas de travail, pas de réseau. Parce que même si, enfin voilà, je suis à moitié anglaise, mais j'avais pas de réseau professionnel sur lequel compter. Ouais. Pas possibilité de faire de réseau non plus, parce que du coup, bah, c'est un peu dead. À part Instagram, mais c'est vrai que les gens. L'année dernière, j'avais 300 followers. Hein. Je connaissais personne. Je débarquais, je n'avais rien. Et du coup. Ça m'a un peu mise face à un mur où je me suis dit, bah, en fait, j'ai pas le choix, je vais être obligée de créer, poster, faire des trucs. Ce que j'ai fait, ça n'a pas été toujours facile, mais j'ai trouvé, en fait, mon premier projet freelance qui a amené le deuxième et le troisième, etc. Enfin, c'est souvent comme ça que ça marche, mais ça a un peu marché, un petit peu. Puis après, ça s'est mis à marcher vraiment bien. Et après, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux et tout ça, à partir d'un certain point, bah, en fait, ça vient tout seul. Enfin, ça amène plein de rencontres, des gens qui font des demandes, etc. Donc là, c'est vrai que je suis arrivée à un point où maintenant, ça va. Mais l'année dernière, ça a été très dur pour moi, pas que professionnellement et créativement, mais aussi personnellement. Vraiment, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de parler aux gens, qui a besoin d'échanger, de rencontrer. Et j'ai énormément souffert de cette année. Vraiment, ça a été... Oui. Mais...
Ça va mieux. Et à Londres, là, les pubs ont ouvert, les restaurants rouvrent, Truc de fou. les cinémas rouvrent le 17. Oh Donc, là 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 là. ouais, la C'est dingue. folie. Ouais. Voilà. Donc, et c'est vrai que ce qui a été très salvateur pour moi l'année passée, c'est d'échanger beaucoup avec les gens pour qui c'était dur aussi. Et j'ai rencontré plein de gens à travers Instagram ou autre qui galéraient aussi. On s'est beaucoup entraidés, soutenus, on s'est partagé des trucs. Enfin, faut pas hésiter en fait à faire avancer quelqu'un, ça ne vous fera pas reculer, quoi. Jamais. Et ça, c'est un truc que j'aimerais que beaucoup plus de gens se rendent compte de ça. Aider quelqu'un, ça nous aide nous-mêmes aussi parce que ça coûte rien. Ça fait avancer quelqu'un d'autre et normalement, en général, ça revient vers nous à un moment ou à un autre parce que les gens se rappellent quand on a été là pour eux, quand on les a aidés, etc. Donc, ça, c'est un truc que j'ai beaucoup appris aussi, que il y a de la place pour tout le monde et que si on s'entraide, bah, c'est beaucoup mieux pour tout le monde en fait. Ah, ça, j'aime bien. Celle-là aussi, il faut se la tatouer là, sans faire 12 post-it, 14 posters. Putain, ce serait trop bien qu'on fasse un projet de poster avec les meilleures phrases des invités Adobe, tu vois. Des trucs à ne jamais oublier. Mais carrément, ouais, franchement, ça, c'est hyper important, c'est hyper cool. Ça revient un peu sur la loi du karma, tu sais, qui met un peu cher, carrément. Il y a Marion qui dit, c'est encourageant, je me sens moins seule. Bah ouais, carrément, non mais... Ouais, je vous soutiens à fond, hein, je comprends. Et ouais, je comprends ce que tu as vécu aussi. Ceux qui ont la bougeotte, là, c'était un peu plus compliqué. Après, oui, c'est vrai qu'on a le biais, on reçoit plein de gens qui sont plutôt introvertis, qui aiment bien faire leur truc dans leur coin, mais c'est vrai que c'est pas que ça, les créatifs. C'est aussi plein de rencontres, les émulations, faire plein de trucs. Donc voilà, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas tout seul. Non, loin de là. Ouais. Et comme tu dis, j'espère que ça aide de partager. Un peu d'amour ici, et qu'un jour on arrivera à aller tous boire un verre quelque part. Ouais, dans un futur pas trop lointain, pas dans 3 ans, c'est possible. Bah, carrément, Camille qui dit c'est clair, de belles paroles à retenir. Ah, merci. Tiens, j'ai une dernière petite question de Ed Mathieu. Ah oui. Et après, on va se faire couper. Est-ce que vous avez un livre référence pour comprendre la structure des lettres et leur signification? J'ai une très bonne question. Évidemment, j'ai une belle bibliothèque maintenant qui commence à être bien remplie. Il y a des livres hein, vraiment sur les bases de la typographie, sur plein d'éditeurs spécialisés, que ce soit les Taschen, B42, Slanted, Dictionary aussi qui fait des livres. Mais moi, le livre qui m'a le plus marqué et que je continue de recommander, c'est Pendant la lecture de Gerhard Unger, qui est un livre merveilleux des éditions B42, enfin l'édition française B42. Ça parle pas vraiment de la base de la typographie au sens construction des lettres, etc., mais c'est un livre merveilleux sur le détail de bah, comment est-ce qu'on lit, comment est-ce qu'on comprend, comment est-ce qu'on dessine les lettres, et franchement, ça se lit tout seul. En plus, l'objet est très très beau, donc vraiment, je recommande ce livre. Eh bah écoute, merci, on va terminer là-dessus. C'était hyper cool, merci de nous avoir partagé ta passion et ton amour. C'était hyper communicatif, moi je trouve. Ça faisait du bien. Voilà, il y a Seswin qui me dit superbe session. Et bah merci à tous. Merci à toi, Marie. Du coup, c'est l'heure du goûter bientôt. On va pouvoir aller prendre le goûter. Demain, c'est encore moi. Au Franck qui fait toujours la sieste. J'en profite pendant qu'il n'est pas là. Du coup, demain, c'est de la photo, photo avec Emma Birski. Ça va être hyper cool. Et je vous retrouve aussi vendredi, animation de logo avec Adrien Campagnol. Et aussi, bah, toute la semaine prochaine, hein, vous savez, comme d'hab, mais Franck reviendra. Donc voilà. Du coup, bah, voilà, je vous envoie plein de bisous. Merci Marie. Et puis, à demain. Bonne fin de journée. Merci à tous. Au revoir.